Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit ? Tu es là. Bien. Sébastien, cette relique dont tu parlais... Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Je suis prêt à explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas ? Non. Je te le promets. Bien. Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Cette terrible odeur signifie que nous sommes près du but. Essaie de ne pas perdre ton sang-froid. Au moins, on sait qu'on n'est pas seul là-dedans. Ça doit être. Il n'y aura peut-être aucun insecte dans le reste du tombeau. Les araignées ne sont pas des insectes. Action ! J'aimerais pouvoir tous les ouvrir. Confringo ! Descendo ! Action ! Nous sommes là pour vous. Nous avons le pouvoir de tous les ouvrir. Cette pièce est plus grande qu'elle n'en a l'air ? Confringo ! Leviosa. Un coffre caché dans une galerie on ne peut plus ordinaire. Excellent. Revelio. Revelio. Confringo. Action. Revelio. Repulso.
attention où tu marches. J'ai failli glisser. Plus à un tombeau. J'ai lu quelque chose au sujet de catacombes. Revelio. Les agrandissements ont causé des problèmes, notamment des effondrements. Ils ont été abandonnés? Exactement. Mais tout ira bien. Revelio. Confringo. Revelio. Voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré. Entouré par des splendeurs? Entre autres choses. Action! Un hôtel avec un tas d'ossements. Charmant. Des os en dehors, un sarcophage. C'est étrange. Protego! Stupéfixe! La Suisse! Il y a quelque chose près de l'hôtel. Qu'as-tu trouvé? Revelio. Action. Revelio. Confringo. Nous avons déjà bien avancé, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Je pense que les bruits étranges font partie du décor. Revelio. Revelio. Action. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Attention! Je dois trouver un moyen de traverser. Lumos. Action. Lumos. Action. Lumos. Action. Wingardium Leviosa. Action! Wingardium Leviosa! Le pont brinque-ballant en os est terminé. Revelio. Action. Revelio. On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment ? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès ? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement, toujours muni d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison, ou l'élève les a faites tomber. Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ça va bien plus loin que je le pensais. Avant que nous continuions, je viens de réaliser quelque chose. Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ça reste entre nous, mais si tu veux apprendre Impero, je peux t'aider. Où as-tu appris le sortilège de l'Imperium ? Je l'ai appris tout seul. Ne dis pas à Hominis que je t'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être fier, mais ça peut s'avérer utile. Je crois que tu devrais le connaître. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif ? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser.
parti. Il y a quelque chose devant. Sois sur tes gardes. Revelio. Repulso. Confringo. Revelio. Être aussi salissante. T'exagères un peu, non? Confringo! Action! Revelio! Confringo! Revelio. Cette catacombe est délabrée, comme le décrivait le rapport de l'élève. Je pense que ça fait un moment que personne n'a mis les pieds ici. Revelio. Confringo. Revelio. Une autre barricade? Vu la façon dont tu as géré la précédente, ça ne devrait pas poser de problème. Action! Comme c'est gentil. Je fais de mon mieux. Wingardium Leviosa! Action! Ça a fonctionné. Continue. Descendo! Gracias.
Action. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Bien joué. On aurait pu ne pas faire de vieux os. Revelio. Je comprends pourquoi l'élève de Serpentard trouvait cet endroit si fascinant. Passe d'un instant, j'ai cru que ça n'en finirait jamais. Confringo. Action. Une impasse. Superbe. Tout ça pour rien. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Revelio. Christian, regarde, la relique. Vraiment?
Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvée. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique? Je ne sais pas, mais on doit trouver la relique. Je suis prêt à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de moi. Revelio. Est-ce que c'est... Arminis? Arminis, les bruits qu'on entendait... C'était toi? Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu, Hominis? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles, alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses. Nous devons l'arrêter. Et s'il refuse de changer d'avis? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Sébastien a raison. Il nous faut cette relique. Je suis désolé, mais ma décision est prise. Tu es prêt à sacrifier votre amitié pour ça? Peut-être bien. Mais je ne peux pas me contenter de le regarder sans rien faire. Et si la décision ne te revenait pas? Tu ne pourrais pas être tenu responsable de la situation. Mais enfin, qu'est-ce que tu proposes? Impero? Maintenant que tu le dis à haute voix, ça me paraît absurde. Mais... j'ai une autre idée. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y. Pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi? Hominis? Je t'expliquerai en route. Viens. Revelio. Revelio. Confringo. Revelio. Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis, c'est tout? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça, Hominis. C'est seulement... qu'il ne comprend pas. Et je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau.
Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. On savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Rebellion. À Feldcroft, on ferait mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Elle pense comme Hominis. Ça ferait que la contre... Zéro. Qu'y a-t-il ? De la fumée, là-bas, près du hameau. Feldcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Tu vas regretter d'avoir compris. Go!
déjà, pardonne-moi. Confringo. Bombarda. Crescendo. Zéro. Confringo. Expelliarmus. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Rebellion. Oh, Dieu. Bombarda. Confringo. Confringo. Je n'ai nulle part où aller. Nous devons nous battre. Action. Repulso. Flipendo. Defendo. 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 Tu ne gagneras pas. Protego. On s'occupe d'eux. Ils vont pas s'en faire. Stupéfix. Garçon, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Tu as fait ce que tu avais à faire. Si mon oncle veut d'autres preuves, je continuerai. Il ne peut m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Mais à quoi pensait-il? Excusez-moi, monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrok. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Fellcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Pourquoi, Sébastien ?